Et c'est Oli. Salut, c'est Aspirateur. Et on a une guest. LDD. Donc voilà. Donc là, alors là, c'est un jeu, c'est vachement bien. Alors c'est génial, parce que là, on va faire une vidéo sur Silent Hill. Donc moi, je kiffe. Hein. Alors là, c'est une grosse, enfin, pour moi, c'est une vidéo énorme coup de cœur. Donc c'est rétro sur Silent Hill. Donc c'est une vidéo en deux parties, hein, parce que j'avais envie, c'était pour le plaisir, tu vois. Donc là, c'est amusant, parce que LDD vient juste de le finir. Là, il y a 5 minutes. Donc voilà, donc bon, bah là je peux dire un petit peu. Donc Silent Hill, c'est quoi? C'est un survival horror, donc qui était à l'époque annoncé comme le concurrent de Resident Evil. Ah là là, vous allez voir Silent Hill et tout. Donc c'était, on va dire, le survival horror de Konami, tandis que Resident Evil c'était Capcom. Donc histoire qu'il ait un petit concurrent. Donc à l'époque, les gens ils disaient, ah, ça a l'air bien, sans plus, tu vois. Enfin, les gens ils se posaient pas trop de questions dessus, quoi. Vu qu'il y avait jamais eu de concurrents vraiment vraiment dangereux pour Resident Evil. Donc le jeu sort en 99 et là c'est grosse surprise, c'est trop bien. Donc Silent Hill, c'est quoi? Bah c'est, comme je disais, un survival horror mais qui ne joue pas du tout dans la même cour que Resident Evil. Par exemple, bah, là, regardez cette magnifique intro. Donc moi c'est le truc que de l'époque je disais, ah, la musique elle est trop bien. Donc effectivement, la musique elle est trop belle au début. C'était, c'est Akira Yamaoka, un compositeur. On en reparlera, hein, de toute façon, de lui, parce que bah, tout le monde, on avait déjà parlé, hein, dans d'autres vidéos qu'on avait fait sur Silent Hill. Mais bon, on peut en reparler, hein, on est là. Donc pour finir avec ce que je disais, donc ouais, c'est un jeu qui ne joue pas du tout dans la même cour que Resident Evil. Tandis que Resident Evil joue sa peur sur le ouais, passer sur le suspense, tu vois. Silent Hill mise tout sur le malaise, sur le côté psychologique, bizarre, tordu, enfin vraiment une impression d'être dans un cauchemar permanent. Donc je laisse un petit peu LDD parler, hein, tout le monde donnera le temps. Hein. Oui, moi c'est, comme l'a dit Mogi, moi je viens juste de terminer, donc en fait il y a 10 minutes là en fait. Voilà, j'avais jamais joué avant, donc en fait c'était une découverte assez récente pour moi. Donc voilà, donc c'est entre autres parce que Mogi m'avait un peu saoulé, voilà, avec ça, donc je l'ai fait finalement. Donc là, bon, le jeu est un peu vieux maintenant, mais il est toujours aussi bon, même aujourd'hui. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc si vous l'avez toujours pas fait, c'est pas encore trop tard. Et je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Là on va voir le début du jeu en fait, hein. Donc c'est pas vraiment spoiler, hein, c'est tout début. Ouais, c'est vraiment le début, hein. Enfin, même la zone partie, hein, c'est vraiment entre guillemets le premier niveau, c'est à l'école, donc il y a vraiment aucun spoiler. Donc sinon qu'est-ce qu'on peut dire? Mais l'histoire c'est quoi? On va parler de l'histoire maintenant, vu qu'on a vu des petits détails. Donc l'histoire, on joue Harry Mason. Donc Harry Mason c'est pas Perry Mason. Ah là là, c'est jeune, ils font des blagues. Non, donc on joue Harry Mason, donc père d'une fille, donc veuve. Donc il a plus de pâme et tout, donc il élève seul sa fille Cheryl, parce qu'il parle en anglais, c'est ce que le jeu est, donc est sous-titré français, mais il parle en anglais, mais il a une très très belle voix, c'est joli, et même pendant le jeu, il a une phrase culte qu'il aime sortir des fois, c'est What is this? Il la sort. Alors ceux qui découvrent ou qui vont redécouvrir le jeu, si jamais vous avez envie de le faire ou de le refaire, essayez de noter le nombre de fois dans lequel il dit What is this? Il doit le dire 7 ou 8 fois minimum, donc plus ou moins, enfin, peut-être 15 fois, je sais pas. Donc l'histoire c'est quoi? Donc on joue Harry qui donc part en vacances, enfin je crois que le synopsis c'est ça en fait, enfin je crois que c'est écrit genre sur la jaquette, je me rappelle plus. Il part en vacances avec sa fille Cheryl et à un moment il traverse traverse la petite bourgade de Silent Hill, donc qui est une ville balnéaire, une ville touristique. Donc il a un accident de voiture et sa fille Cheryl a disparu. Donc là, il la voit, on voit sur les images, il faut Cheryl. Et en fait, pendant tout le jeu, il va essayer de chercher sa fille qu'il a perdue et qu'il a fui en fait mystérieusement. Et on va voir. Au début, quand il va passer dans le monde alterné. Alors là, vous allez voir vraiment la grosse. Alors déjà, faut savoir que, bon, techniquement, sans être extraordinaire, c'est franchement très correct. Hein, ça va. On remarque quand même un très fort clipping. Donc en fait, on voit pas à plus de 3 mètres, mais ça, c'est. C'était camouflé, c'était justifié à l'époque par le brouillard et la neige, en fait, ce qui donne en fait une ambiance qui.
qui fait un peu peur et qui ajoute au climat malsain où en fait on voit jamais les monstres arriver, on se sent toujours un peu perdu justement à cause du brouillard, mais comme c'est bien justifié et qu'au final ça participe à créer une ambiance un peu oppressante, bah finalement c'est un défaut qui n'en est pas vraiment un, surtout que pour se repérer on a la carte et donc on se perd pas dans la ville. Petit détail là, regardez bien. Cette prise de vue, je m'en souviendrai toujours parce que je la trouve. Enfin, ce cadrage, il est ouf. Non, là, je reviens d'ailleurs. Non, ce que j'ai fait exprès pour vous remontrer. Mais doucement, regardez. C'est pour me donner un côté étrange, je sais, genre un cadrage bizarre qui n'est pas naturel, tu vois. Hop, un caméraman, je pense pas qu'il pourrait le faire, ça. C'est entre deux ruelles. Donc, c'est bien que des fois qu'il y ait du jeu vidéo. Donc, là, vous allez voir, là, c'est le passage flippant où tu demandes. Il va retrouver sa fille dans une petite ruelle normale et là, il va se passer un truc bizarre. C'est trop glauque. Donc, là, il y a une musique. Donc, il y a vraiment. Comme au début, il y a la musique de étrange, il fait sombre. Donc tous les sons, tout ça, c'est trop stressant. Donc ce qui contribue grandement à l'ambiance de Silent Hill, que ce soit le 1 ou tous les épisodes ultérieurs, c'est vraiment les musiques. Alors là, la chaise roulante, c'est le détail qui revient dans quasiment tous les Silent Hill. C'est un peu la mascotte entre guillemets. On voit des chaises roulantes, on voit des objets qui n'ont pas. On voit un lit de médecin ensanglanté qui, on en parlait l'autre jour, qui rappelle en fait un peu le film L'échelle de Jacob pour ceux qui connaissent de Adrian Lyne. Ouais. Et voilà, ça reprend un peu l'ambiance de ce film que si vous n'avez pas vu et que vous aimez bien Silent Hill, vous devez absolument voir et vice versa. Mon avis, L'échelle de Jacob est certainement l'un des meilleurs films au monde. Hein. Enfin, je peux le dire parce que c'est vraiment un film génial. Donc il y a surtout une scène, enfin, je ne dirais pas laquelle, mais dans le film, il y a une scène qui fait fortement penser. J'aurais senti. What is this? What is this? Allez, il l'a dit. Donc là, la première fois qu'il le dit, donc là, c'est vraiment impressionnant. Écoutez les musiques. Alors là, on est pris de partout, c'est par des créatures. La musique, elle est flippante. Donc les musiques, c'est Akira Yamaoka qui font. Il sait qu'il fait la musique et ce mec-là est un génie. Et même dans le milieu du jeu vidéo, il est considéré comme un génie. Il est considéré comme un. Vous vous rappelez vite fait quelle musique de jeu il a signé à part Silent Hill? Ouais, la musique de Rocket Knight, Spaxter, donc c'est l'épisode 2 de Rocket Knight et sur Super NES. Ouais, à part Silent Hill, franchement, ici, je sais qu'il en a fait d'autres, mais je m'en rappelle pas. Il est surtout connu pour Silent Hill. Donc là, on est obligé de se faire agresser par les monstres, donc là on revient. Donc voilà, donc là c'était le passage de la démo, parce qu'il y avait une démo qui était en vente avec Metal Gear Solid, le jeu Metal Gear Solid sur PS1 à l'époque. Donc on pouvait jouer déjà à Silent Hill. Donc là il rencontre pour la première fois la femme flic Sybil. Sybil. Donc il dit, is there some dream? Donc là elle lui demande. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, les Akira Yamaoka, donc c'est le compositeur attitré de toutes les musiques des Silent Hill. Et ce mec-là, il est considéré comme un génie parce qu'en fait, il arrive à la fois à faire des musiques belles, c'est genre acoustique et tout, c'est genre la guitare et tout ça, léger, et à la fois à créer des mélodies qui parfois n'en sont pas vraiment parce que ambiance que des mélodies qui sont bien chelous et bien flippants, avec surtout des effets sonores aussi dans Silent Hill en plus de la musique. Qui participe à créer l'ambiance malsaine en fait, cauchemardesque. Donc voilà, vous allez voir le premier monstre et vous allez voir si l'un des éléments récurrents dans tous les Silent Hill, là on le voit derrière, le truc rouge, c'est les monstres, oui. Mais surtout, mais avant les monstres, mais qu'est-ce qui permet de savoir qu'il y a des monstres? C'est la fameuse radio. Donc là on la voit derrière. Les ondes radio en fait sont brouillées par l'arrivée des monstres, on sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc dès qu'il y a des monstres qui arrivent, la radio en fait émet des bruits bizarres et donc là on va le voir juste après. C'est pas mal. Et quand il n'y a pas de monstres, la radio est sur Nostalgie. Donc ça c'est chiant quand même avec. écoutez. Alors là, attention. Ambiance. Les grésillements. Radio. What's going on with that radio? What the fuck? Donc là, alors là, le premier monstre. Donc dans Silent Hill 1, il y avait lorsqu'on marchait dans la ville, parce que bon, en fait le jeu est pas comme tout Survival Horror. Bon, le gameplay, c'est pas l'élément primordial d'un survival horror, enfin, en général, hein, pas. Donc là, on pourrait bien sûr reprocher même à l'époque, on reprochait le gameplay rigide du jeu, tu vois, parce que c'est pas forcément évident de viser. Je pense que tout à l'heure, lorsque je serai à l'école, c'est bon, on le verra lors de la seconde partie de la vidéo. C'était pas toujours évident de viser, de se déplacer. Bon, ça allait encore, hein, c'était pas non plus insurmontable, tu vois, mais c'était
pas la, la grande qualité du jeu, quoi. C'est vraiment l'ambiance. Non, non, je l'ai pris la radio. Je suis un malade, moi, le jeu, je l'ai fait plein de fois, un jeu, c'est un ouf. Donc, c'est pas un jeu qui est foncièrement long, donc là, la fameuse carte où on se repère. Petit détail au passage, on peut noter, en fait, si je ne me trompe pas, qu'en fait, toutes les, tous les noms des rues dans Silent Hill ont des noms d'auteurs fantastiques qui, écrivent, qui ont écrit des romans fantastiques. Par exemple, là, on avait la Bachman Road. Bachman, Richard Bachman, c'est le nom de Stephen King, en fait, c'est son vrai nom. Il y a la Bradbury Street en bas, par exemple. Ray Bradbury, c'est un auteur de science-fiction. Connu. Il y a même aussi Christian, donc je suppose que c'est Michael Christian, donc le mec qui écrit ouais, Jurassic Park et Urgence aussi. Ça, c'est pour l'anecdote. Hein. Anecdote, donc ouais, donc, mais ça, c'est, bah, c'est bien que t'en parles parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'était le petit détail amusant que les développeurs s'étaient amusés à faire. Donc, si on peut se dire, bah, juste en parlant des développeurs, donc, mis à part Akira Yamaoka qui, à partir du, je crois, du troisième volet, sera aussi producteur, je crois. De Silent Hill. Donc à la base aussi le créateur, le papa de Silent Hill, c'est Keishiro Toyama, qui est donc lui le, donc c'est lui le créateur, hein, qui plus tard quand même il fera Forbidden Siren. Donc c'est pas parce qu'il va quitter la Silent Team pour se consacrer genre à son autre série Forbidden Siren, que je suppose que vous connaissez, hein, qui était aussi moi personnellement un bon jeu aussi. Donc voilà, donc là on revient sur les lieux où c'est où on s'est fait agresser là, c'est par les créatures immondes là. Donc là, je me sauf que cette fois, il se passe plus de choses bizarres, hein, si on peut dire. Hein. Donc là, on pouvait donc l'une des particularités aussi de Silent Hill, c'est qu'on joue une victime. C'est-à-dire, on joue pas genre un soldat, un militaire, un militaire musclé comme dans Resident Evil. Oui, voilà, Resident Evil. Donc là, on joue vraiment le mec qui sait pas se battre, donc il a les flingues, mais il sait pas bien utiliser les belles armes à feu. Sinon, il se prend des. Il vise bien quand même. Hein. Il vise bien, ouais. Mais sinon, genre, il prend genre une barre de fer, et il essaye d'éclater les monstres. Donc là, on va aller à l'école. Ce qui, donc là, restez avec nous pour la seconde partie de la vidéo, parce qu'on a encore des choses à dire dessus, parce que c'est un très grand jeu.